Cette exposition est un hommage à sa vie. Elle nous permet aussi de redécouvrir le travail artistique de l'artiste Marie-Josée Nadal. Je vous invite à cette visite à travers la croisée des chemins pour une promenade artistique pleine de passion. Je remercie la presse, les artistes, les institutions culturelles, les sponsors et les amis qui ont répondu à cette invitation. Nous voudrions aussi remercier mes frères et sœurs, particulièrement Jacinthe Zéphir, qui est à côté de nous, qui vraiment, amie de ma mère, fille de ma mère, nous a beaucoup inspirés pour que, et encouragés pour qu'on fasse cette exposition. Malheureusement, sa fille Elodie Doura n'est pas avec nous aujourd'hui. Et je dois dire qu'on a une pensée très spéciale pour elle, puisqu'elle a énormément travaillé au catalogue, au beau catalogue que vous verrez tout à l'heure. Donc, elles ont accepté de nous accompagner avec beaucoup d'enthousiasme à l'organisation de cet événement. Je dois dire que cet événement, ce ne sera pas seulement l'exposition. Avant de partir, on vous donnera tout à l'heure la programmation de tout ce qu'il y aura toute la semaine. Donc, les programmes sont là pour ceux qui en veulent. Donc, nos remerciements vont aussi à tous ceux qui ont participé par leur texte au catalogue, à Mme Amy Prophète Milsé qui nous a beaucoup accompagnés, et aussi à tous ceux qui ont collaboré à cette très belle expérience, pleine de courtoisie et vraiment en toute simplicité. Je dois dire que c'est la fête de l'art, c'est la fête d'une artiste, donc les choses sont simples. Les trois premières dimensions, à savoir l'artiste peintre, l'écrivain ou bien la galeriste, il y avait le côté, je pourrais dire, passionné de ce personnage, car Mme Nadal était une collectionneuse de pièces d'art amérindienne qui faisait partie de ses passions. Entre autres, j'ai eu à découvrir dans ce personnage ce que je pourrais appeler une dimension spirituelle, car c'est un personnage qui croyait beaucoup dans la prière, c'est un personnage qui avait toujours des petits mots qu'elle notait dans ses carnets, dans d'autres supports, et ce sont souvent, elle disait souvent, ce sont des inspirations qu'elle avait eues, et à chaque fois qu'elle avait ces inspirations, il fallait quand même les graver quelque part, car ces inspirations, de temps à autre, allaient l'inviter, allaient l'aider, allaient l'accompagner dans ses processus de création, de production artistique. Et c'est ce que j'avais vraiment utilisé pour lui offrir l'occasion entre 2003, 2004, 2005, lorsque j'ai eu à présider le comité central de la promotion point de départ de l'École nationale des arts. Donc c'est là que j'ai eu à proposer ce personnage comme marraine de la promotion. Et tout de suite, particulièrement, tous les étudiants de l'ENAS à l'époque avaient accepté de voir dans ce personnage non pas quelqu'un qui se détache de la réalité culturelle de ces artistes qui viennent des horizons divers, mais de préférence, qui avait quelque chose à apprendre de cet artiste, et elle a toujours été disposée et disponible pour partager ses expériences, tant en Haïti qu'à l'étranger, pour partager ses petits secrets sur l'art haïtien. Et parfois, il y avait certains non-dits qui nous laissaient comprendre qu'elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie artistique. Lorsque j'avais eu la chance d'enseigner dans la majorité des écoles filles de la capitale, que ce soit à Saint-Ose-de-Lima, à Saint-Luc-Bourdon, au Sacré-Cœur, de toujours au lycée Marie-Jeanne, entre autres, comme éducateur artistique, j'avais toujours eu la chance de choisir ce modèle pour présenter à ces jeunes filles, pour leur dire que voilà un modèle de la peinture haïtienne qui a fait choix de l'art comme passionné, comme personne dédiée. Vous pouvez toujours vous en inspirer de ses échecs comme de ses succès pour continuer à oser, à créer et à vous positionner au niveau de la société. Vous allez traverser les salles, découvrir son art et surtout, débarrassez-vous de tous les préjugés que vous auriez pu avoir, à savoir, elle a fait ci, elle a fait là. Non, Marie-Josée Gardère est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que personne ne connaît parce qu'elle a toujours gardé, elle a toujours eu un contact très particulier avec sa peinture. C'était elle et sa peinture, elle et son travail artistique. Donc, elle, c'est vraiment le temps de la découverte maintenant pour vous. Débarrassons-nous de tout et allons à la rencontre. Je voudrais profiter pour remercier ma fille Elodie qui n'est pas là, qui m'a toujours soutenue, qui me pousse à continuer à œuvrer, à travailler avec les artistes. Je vois pas mal d'entre eux que j'ai envie d'exposer ici et que certainement je pourrai exposer avec le concours de Michel, c'est possible, très probablement. Mais on a beaucoup de projets, on va continuer à œuvrer
Et je voulais faire des remerciements tout particuliers à la fondation du groupe Jean Vorbe qui nous ont abrités, qui nous abritent et qui, avec beaucoup de grâce, nous laisse exploiter ce potentiel formidable de la nature et de la propriété.